Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Alors que le confinement, espérons-le, touche prochainement à sa fin, je souhaiterais vous faire la lecture de l'extrait d'un livre qui est édifiant si nous souhaitons une capture du monde actuel, mais également un échappatoire imaginaire puissant. Il s'agit de 50% sauvage de Cédric Charles Atman. Le monde est divisé entre deux modes de vie très opposés. À la suite de la Grande Révolution verte, suite à l'échec des accords de Paris, les nations civiles continuent leur modèle de développement basé sur la croissance et la destruction planétaire. Cependant, émerge la communauté, un mouvement social puissant qui a acquis 50% des terres continentales de manière légale et qui vit en résilience en restaurant et protégeant la nature. Amno, un simple membre de la communauté, est amené à devenir médiateur entre ces deux mondes alors que la menace d'un conflit grandit. L'ancien invita Amno à s'installer plus confortablement sur un grand coussin posé au sol avant de reprendre. C'est une étrange coïncidence que ce soit toi qui aies été choisi, mon ami. Car tout a commencé l'année de ta naissance en 2015. Tu n'étais alors qu'un bébé vivant comme tes parents et nous tous dans une société qui fonctionnait selon les mêmes règles, les mêmes lois et avec une même vision d'avenir. Celle-ci fondée sur une économie croissante, sur son industrie, ses emplois, son argent, sa finance, et cela dans le but principal de consommer nos produits et de satisfaire tous nos besoins sans exception. C'était alors le bonheur que nous visions tous. Cela dit, il paraissait de plus en plus évident pour un nombre d'humains grandissant, que cette vision n'était pas la bonne direction à suivre, tant les catastrophes écologiques, financières, géopolitiques ou encore sanitaires s'accentuaient sans cesse, et ce, dans une incompréhensible indifférence devenue générale. En décembre de cette année-là, un événement avait focalisé des centaines de millions d'esprits dans la même direction, la COP21 à Paris. Il s'agissait là d'un regroupement de près de 200 nations ayant pour but de trouver une solution au réchauffement climatique. Cela semblait très prometteur. Beaucoup y voyaient le potentiel d'inverser la tendance autodestructrice suivie par l'humanité. D'autres espéraient éventuellement que cet événement serait l'occasion pour l'humanité de bâtir une nouvelle vision d'avenir, ainsi que des objectifs plus en adéquation avec la réalité de la situation. Cette COP21 était porteuse de nombreux espoirs parmi la population mondiale de l'époque. Nous pouvions sentir l'espérance d'un profond changement qui offrirait un nouveau projet de vie à court et à long terme à notre civilisation. Nous étions nombreux à penser que cette vie était devenue insensée. Nous constations toujours plus, chaque jour, que notre société était devenue incapable de gérer toutes les inégalités qu'elle pouvait générer. Il devenait de moins en moins possible de dissimuler ou d'occulter l'émergence des nombreux changements désastreux que notre mode de vie avait occasionnés. La plupart avaient eu lieu durant les 60 années précédentes, tant sur la santé humaine que sur l'environnement. C'était une réalité à laquelle chaque famille, en chaque foyer, pouvait être confrontée avec toujours plus de probabilité. Cela avait éveillé la conscience d'un mal-être dormant en chacun depuis bien trop d'années. Dans ce monde si moderne et civilisé, chaque humain pouvait être frappé par d'innombrables maladies. La population acceptait étrangement cette nouvelle normalité malgré l'espérance de vie humaine qui s'était inversée. C'est d'ailleurs l'année de ta naissance en 2015 qu'il fut annoncé pour la première fois que l'espérance de vie humaine commençait à reculer. C'était par conséquent la première fois aussi qu'on évoquait la possibilité que nos enfants vivent moins longtemps que leurs aînés. Le fait est qu'à l'époque, chaque enfant, à peine né, pouvait connaître un cancer qui le dévorait devant l'impuissance de ses parents. Le cancer qui était devenu la maladie la plus répandue à la surface de la Terre. Ce mal qui ne frappait que les aînés au dernier stade de leur vie, quelques décennies auparavant, s'était toujours plus propagé jusqu'aux plus jeunes des cadets.
De nombreuses et nouvelles autres maladies se développaient comme les prémices de ce qui semblait être pour toute l'humanité une fatalité. Diabète, autisme, maladies dégénératives nerveuses ou cardiaques invitaient la mort plus que la vie dans chaque demeure au fil des décennies. À cette époque, les scientifiques donnaient 50% de probabilité à chaque être humain d'être confronté à un cancer au cours de sa vie, sans compter l'occurrence d'être affecté par toutes les autres nuances de maladies, toujours plus diagnostiquées et médicalisées à outrance, sans inverser pour autant la tendance. La recherche avance, soutenez-la, faites un don. C'était là un message récurrent durant ces années de folie. Comme pour tout le reste, l'humanité comptait sur l'argent et les financements pour venir la sauver. À l'identique, l'environnement n'était pas épargné. Il reflétait ce que nous souhaitions ignorer de nos actions. La fonte des glaces s'accentuait, les forêts continuaient de reculer, les eaux des plus petites rivières jusqu'aux plus grands océans étaient toujours plus polluées. Nous étions portés par un désir inassouvi de poursuivre ce mode de vie. Pensions pouvoir l'entretenir ainsi à l'infini. Il est vrai que nous considérions alors tout comme acquis. Avec les conséquences et toute la souffrance qui se développait, l'inconscience fit place à plus de conscience entre les causes et les effets. L'humanité a donc commencé à se réveiller. Une minorité d'êtres plus éveillés et conscients s'est de plus en plus exprimée et engagée au quotidien. Ils devinrent toujours plus nombreux à mesure que la souffrance s'étendait. Ils se mirent à toujours plus se mobiliser, parfois avec virulence, aux abords de grands événements politiques qui avaient pour thème l'avenir de la planète ou la prise de décision d'envergure. Il faut avouer que ces conférences se succédaient sans le grand succès ni les réels changements que souhaitaient ces minorités. C'est ce qui les a d'ailleurs fait croître devant l'incapacité répétée de leur gouvernement à écouter et à agir démocratiquement. La COP21 marqua cependant un tournant. Les fameux accords de Paris réunissaient 195 pays pour créer un réel changement et pallier activement au réchauffement climatique. Mais elle se termina, une fois de plus, avec un papier signé, sans que cela n'exprime une réelle volonté de chercher à altérer profondément la direction dans laquelle l'humanité s'était engagée. Nombreux furent les scientifiques indépendants qui avaient démontré que la sixième extinction de masse avait commencé depuis de nombreuses années. En réponse, les accords de Paris n'engageaient concrètement à rien, et la situation fut gérée à l'identique d'un sauvetage d'entreprise en crise. Les solutions se résumèrent donc pour beaucoup à soulever des fonds et à encourager le développement durable, comme ils appelaient cela à l'époque. Les décisions prises ne devaient surtout pas altérer l'essor économique, ni les emplois, et encore moins entrer en conflit avec les entreprises devenues alors plus puissantes et influentes que les gouvernements eux-mêmes. Les présidents étaient devenus des gestionnaires du secteur économique en priorité, tels des vendeurs représentants de leur pays. Dans cet état d'esprit, la corruption exercée par l'argent dominait bien évidemment les hommes et leurs choix. Même les scandales médiatiques parvenaient à être vite étouffés ou ignorés de la population, devenue distraite, puisque tout concourait à la maintenir occupée et divertie à l'excès. Qui pourrait condamner le comportement qu'adoptaient ces entreprises et ces gouvernements? Après tout, ils étaient mus par le même désir de succès financier qui motivait tous leurs semblables. Pour réussir, il n'avait donc de meilleur choix que de donner au peuple ce que ce dernier lui réclamait. Toujours plus de croissance, de travail et de débouchés. Toujours plus de produits, payés le moins cher possible. Comment ne pas arriver sur la voie d'inégalité croissante que nous avons connue à l'époque? Celle-ci s'accentuait bien évidemment, au point que nous avions créé une société où 62 personnes possédaient plus d'argent et de richesses que 3,5 milliards des autres habitants de la planète. C'était invraisemblable, mais il s'agissait, semble-t-il, du chemin par lequel il fallait passer pour que l'humanité puisse évoluer et revenir à plus de simplicité et de conscience. L'avantage que détenait cette époque de l'humanité est qu'elle évoluait dans une ère ultra connectée. Des milliers, puis des millions, puis des milliards d'humains pouvaient communiquer instantanément à n'importe quel moment de la journée via Internet. C'était d'ailleurs devenu le principal passe-temps durant ces années où tout a commencé. Bien que la majorité de l'humanité se perdait inconsciemment dans tous ces nouveaux divertissements qu'offrait la technologie, des minorités conscientes se contactaient et s'organisaient de plus en plus, et de mieux en mieux. Elles créaient toujours plus de communautés virtuelles qui étaient porteuses d'une vision et d'une alternative possible à cette vie abrutissante et destructrice. Cette union faisant comme toujours la force, ces communautés sont entrées de plus en plus en action. Dans un premier temps, nombre d'entre elles focalisaient leur énergie dans l'opposition et la résistance au gouvernement.
Cela alla jusqu'à créer de grands mouvements et des manifestations allant gronder aux portes des assemblées politiques qui se prétendaient élues et engagées pour le changement. Certaines manifestations allèrent parfois jusqu'à dégénérer dans le feu et dans le sang. Sous couvert du maintien de l'ordre, des lois et de la liberté, l'emploi de la force et de la répression par les forces de l'ordre fut ainsi toujours plus exercé et justifié, souvent avec l'approbation du reste de la population qui n'écoutait que la version des faits relayés dans les médias et les journaux télévisés. Au fil du temps, ces mouvements, ces communautés engagées, s'orientèrent naturellement vers des manifestations de plus en plus pacifiques, nombreuses et massives. Cette union, mobilisée en si grand nombre, ne changea néanmoins pas l'aboutissement. Tout se terminait fréquemment par un dérapage, parfois provoqué d'un côté ou de l'autre des populations qui s'opposaient. Chacun justifiait les raisons de ses exactions. Qui plus est, ces mobilisations grandissantes eurent don d'effrayer la classe politique ainsi que la stabilité économique des marchés qui étaient tant recherchés par tous les gouvernements. C'est dans ce climat de fortes frictions et de visions contraires que ces communautés empruntèrent une nouvelle voie, une nouvelle direction. Les manifestations pacifiques prévues pendant la COP21 étaient annoncées comme étant les plus importantes jamais observées pour un tel événement. Elles furent par conséquent annulées et déclarées comme non autorisées par le gouvernement français. Ce dernier invoqua les attentats terroristes de Paris ayant eu lieu le mois précédent comme cause et justification de l'interdiction de manifester. Le but non avoué de cette manœuvre était bien sûr de pouvoir mener la réunion des États participant dans le calme et sans opposition visible. Les gouvernements savaient déjà que les discussions envisagées seraient incompatibles avec le changement de société tant réclamé par ces communautés de plus en plus organisées et mobilisées. Cependant, la réponse de ces dernières à cet ultime affront fut cette fois très habile. Elles organisèrent une désobéissance civile et pacifique en invitant via les réseaux sociaux le plus grand nombre d'entre eux à se réunir rue, non pas dans la rue qui n'était plus autorisée, mais sur les trottoirs où chacun était toujours légalement libre de circuler. L'invitation lancée était de simplement former une chaîne humaine la plus longue possible en se tenant par la main sur les trottoirs de Paris. Ce fut sans doute l'un des plus beaux événements auxquels j'ai pu assister au cours de ma vie, bien que celui-ci n'ait évidemment pas été relayé à la télévision ou dans les journaux de l'époque. C'est néanmoins à ce moment précis qu'a émergé parmi ces communautés une nouvelle vision pour aborder la situation et catalyser le changement souhaité. Après cet exemple fédérateur, il fut pour elles, on ne peut plus clair, qu'il fallait cesser de lutter contre cette ancienne structure sociale. Il leur parut plus efficace d'en bâtir plutôt une nouvelle qui se situerait en marge des motifs habituels de la répression gouvernementale. Il devint évident, pour ces groupes, qu'ils étaient parvenus à créer une force au niveau individuel et que celle-ci était maintenant capable de créer une véritable unité puissante, toujours grandissante. Ils voyaient là une union nouvelle contre laquelle aucune puissance politique ou militaire ne pourrait lutter. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils prirent conscience de leur nombre, qui se comptait désormais en millions, et que ceux au pouvoir, eux, ne constituaient finalement qu'une minorité incapable de rivaliser. Ils décidèrent également d'exploiter massivement les failles présentes dans les lois, les décrets et le système économique de la société. C'est ainsi que de ce simple événement pourtant passé inaperçu, émergea donc la grande révolution verte des 35 années qui suivirent. Anneau restait captivé et intrigué devant ce long récit inhabituel de l'ancien. Il connaissait bien ce passé de l'humanité pour l'avoir étudié lors de son apprentissage, mais il lui sembla ne l'avoir jamais entendu être raconté sur un ton aussi personnel et passionné. L'ancien continua son exposé de la situation. Pour connaître la suite des aventures trépidantes d'Amno, je vous invite donc à découvrir et à lire 50% sauvage, la médiation des nations civiles de Cédric Charles Atman. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh! C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Moi, Green, oui. Green, comment? Oh, super green! Aussi green que ça peut être! Green, la puissance des babotines! Green, tu vois? Mais tu vois le green, absolument! Green, plus green!